Bonjour et bienvenue à Malipucency. Dans cette émission, les concurrents s'affrontent à tour de rôle dans le magnifique décor du campement sur un parcours sportif mêlant agilité, courage, force et rapidité à travers quatre épreuves. Le pont flottant. La tyrolienne. Le labyrinthe en bois. Et le mur de corde. À l'issue de chaque émission, les plus rapides seront sélectionnés pour la grande finale. Lors de cette grande finale, le parcours évoluera en difficulté avec de nouvelles épreuves qui verront les moins rapides éliminés. À la fin du jeu, il n'en restera qu'un. Et oui, le grand vainqueur qui remportera la première place gagnera la somme de 500 000 francs CFA ainsi qu'un an d'abonnement dans la salle de sport du Budo Club. La deuxième place remportera 6 mois d'abonnement dans la salle de sport du Budo Club. Et la troisième place se verra remettre un abonnement de 3 mois dans la salle de sport du Budo Club. Que le ou la meilleure gagne. Coucou tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Bienvenue dans votre deuxième épisode de votre émission préférée, Mali Puissance. Si je m'appelle Fatmé et voici... Chek Nito, mon co-animateur de choc. Prends ça. Yes, ça y est. Ça va? Bon, ça peut aller toi? Ouais, ça va, tranquille. Ok. T'as pas encore un peu mal au corps là? Non, c'est bon, c'est bon, ça va, ça va. Ça va, tranquille. Ouais. Donc comment vous allez? J'espère que vous aussi ça va de votre côté et que vous êtes prêts à encourager nos candidats avec les quatre épreuves. Donc Mali Puissance, déjà c'est quoi? Pour commencer. Mali Puissance, c'est une émission dans laquelle il y a une compétition, on fait des épreuves. Et qu'est-ce qu'elles sont difficiles les épreuves à faire? Elles sont... La tyrolienne, le labyrinthe. Et le filet de corde d'abord, le filet parce de qu'il y a beaucoup d'épreuves. Pour l'instant, on vous a dévoilé que 4 épreuves dans Mali Puissance, mais bien évidemment, ça ne s'arrête pas là, ça va beaucoup plus loin. Mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant, on va aller voir comment se comportent un peu nos candidats, s'échauffent un peu. Et parenthèse, n'oubliez surtout pas que Mali Puissance, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas d'âge, même Cheikh Nito peut participer. Ouais. Tout le monde peut participer à Mali Puissance. Vous avez vu comment il pète la forme, vous avez vu comment il est chaud. J'espère que ce sera chaud comme ça là-bas aussi. Hein. J'espère bien. Ah, parce que j'ai l'impression qu'ils sont chauds là. Mali Puissance. Si, on va voir le candidat. Ouais. C'est parti. Mali Puissance. Alors, ça, vous êtes chaud? Oui. Vous êtes prêts? Oui. Vous faites vos petits échauffements là? Oui. Mais non, tu es assise, le jeu il a pas encore commencé. Ah, ma chérie. Donc, c'est comme ça que tu t'échauffes? Ah, vraiment? Oui. Montre-moi tes échauffements. Ouh. Non, ça c'est pour faire peur aux gens. On dit montre-moi ce que tu peux faire. Vas-y ce que tu peux faire. Vas-y fais-le. Je sais pas. Il y a plusieurs manières. Comme quoi? Tout à l'heure tu faisais des pompes un peu bizarres là. Genre. Vas-y montre-moi. Allez. 150, 200, 390. C'est bon. Patron, t'es épuisé parce qu'il y a encore du temps, il y a les épreuves encore. C'est bon. Et vous, ça va? Je m'appelle Brahima Sissoko. Brahima Sissoko? Vraiment. Bravo. Je veux rien dire encore parce que si je dis c'est toi le champion, on va me dire ah, t'as des préférés. Donc attends, je dis rien d'abord. Okay, mais
T'inquiète. Ça il est costaud, lui, je pense que... Est-ce que toi, tu es sûr que tu peux faire les épreuves, là? Ouais. C'est de la manière que tu es costaud. Dans ton gabarit, là. Ici, faut être cardio. Hein. C'est pas, on n'a pas besoin de muscles. Il y a une épreuve là où, si tu n'es pas mis, tu ne peux pas passer. Maintenant, toi, te voyant, j'ai peur. Sincèrement, j'ai peur. Mais il y a des épreuves comme les bois, là. Ah. Je suis en bas, là. Moi-même, je pensais que je n'allais pas bien. Tu vas tout faire. T'inquiète même pas que tu vas tout faire. Elle adore ça. Oh, ça n'a pas commencé. Laisse-la, laisse-la. Tu n'as pas fait bien. Non. Ma copine, oui. On dit quoi? Oui, ça va, ça va. T'appelles comment? Alimatou Sarara. Non, Alimatou, je te sens chaude, motivée. Oui. Depuis, je te vois sauter là. Oui. Tu t'échauffes. Oui. Non, elle, je sens qu'elle va gagner. Inch'Allah. Je sens qu'elle va gagner. Ouais, la première. La première. Bravo. Donc, tu es sûr que tu vas remporter le premier prix aujourd'hui? Oui. Moi aussi, je pense. Ouais. Voilà. Bon, moi, je doute. Non, moi, je pense. On va attendre l'arrivée. Viens nous dire pourquoi c'est difficile. Bon, viens. Pourquoi tu me dis? Viens. Bon, quitte là. Elle va tout déchirer. Elle va te gagner toi-même. Tu vas voir. Ouais. Oui. Tu vas le battre, non? Ouais. Voilà. Il y a un gars derrière. Je suis sûr que lui, là, il va tout bousiller. Lui. Non, moi, je reste sur Alimatou. C'est sûr? On va le voir quand même, mais je reste sur Alimatou. Mais on va aller le voir quand même. Toi, tu viens de. De Sibi. Oui. Yeah. Ah non, il est venu de loin. Ah ouais. Il est venu de loin. Donc lui, si il est venu là, c'est pas pour perdre. Donc toi, tu n'es pas venu pour t'abuser. Et on a trouvé comment? Non. Et on a gagné là, des camarades. Je suis venu pour gagner. Les deux jeunes de Sibi. On peut voir quelques prises de taekwondo. On peut voir quelques prises. Viens. On peut voir quelques prises, pas sur moi. Viens. On peut voir quelques prises. Mais sur moi, non, moi je donne. Moi je vais essayer. Hey! Je suis pas prêt. Moi aussi, je préfère. Je vais. Non. Soulève pas ta jambe. Non. Faut laisser. Moi, je suis triple champion du monde. Donc, je préfère me calmer, quoi. On a rien à prouver. Ça va, ma chérie? Oui, ça va. Tu t'appelles comment? C'est Madame Duté. Comment? Madame Duté. Madame Duté. Ah, Duté. C'est pas Madame Duté, c'est ça? C'est Duté. Ah, Duté. Non, c'est Duté. Elle a peur de dire son nom. Donc, tu sais qu'elle pourra faire les épreuves? Duté, on m'embrasse, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau. Non, pas Bambara. Moi, je comprends pas Bambara. J'essaie de placer quelques. Duté, Duté. Duté, ça veut dire pas d'eau. Non, non. Ah, Duté. Ça va, Mariam? Oui. T'es motivée? Oui. T'es prête à gagner? Voilà, il est prêt. Ouais, je te sens chaude là. Depuis tard, je te vois sauter toi aussi, comme Alimatou. C'est comment? Je pense que tu vas exploser le record. Inch'Allah. Tu as confiance en toi? Mm-hmm. Moi-même, j'ai confiance en toi. Les filles, pas me faire honte. Hein. Non. Oh, quitte-la. Mais toi, tu motives pourquoi? C'est quoi ton problème? Bon, moi, je vous propose qu'on fasse un cri de guerre. Viens, ma chérie. Voilà, c'est ça même. Maintenant, on fait un cri de guerre. Allez! Fais-moi une place, Y'a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ces jeunes-là, ils m'ont trop chauffé. Ils t'ont chauffé, maintenant t'arrives pas à aller. Je suis inspiré. Je ne peux pas m'arrêter. Je vais continuer jusqu'au bout. Mais tu peux pas, Cheikh Nuto. Comment on aille rejoindre le premier candidat là-bas? Ah bon? Il est déjà sur place, sur le pont flottant. Ah donc on y va. Bah ouais, faut qu'on y aille. Est-ce que tu peux? Ouais. Non, tu n'oses pas être fatigué. Ça fait 20 ans que je suis en train de t'entendre crier depuis là-bas, là. Tu es trop inspiré, non? Allez, viens, on y va. Donc on y va. Courage, viens. Ok. Accroche-toi. Okay. Allez, on y va. Oh, Mali puissance. Mali puissance. Je suis venu à Sinaba. Je suis venu à Salam Aleikoum. Je suis venu à Sibi Kalassa, 45 km de Bamako. Je suis venu à Bissaba et à Nisanworo. Je suis venu à Gidiya. Je suis venu à VTT pour le Kouroubou Karamoko. Assistant d'escalade de courrier Kalanding. Vous voyez, Mali Pissansi. A fora Chokominako Pissansi. Ne va faire Mali Pissansi, Niemrodi. Aena Mali Pissansi là. Allez, les Moroka Moya reste à Kirema. Donc, Nina Pissansi, les Veto Kenya de là. Mali Pissansi! Ok, donc là, il y a Noumouki qui est sur le pont flottant et qui attend le
le signal pour son départ. Nounouké Sinaba, l'homme de Sibi. On y va, c'est parti. C'est parti pour Nounouké qui... Mais, se dirige vers la tyrolienne. Telle une flèche. Là, maintenant, on va l'équiper. Oui. Safety first, la sécurité avant tout. Voilà, maintenant, c'est parti. On y va, il est sur la tyrolienne. Waouh, bien arrivé. Il s'est bien rattrapé avec la corde, hein. Heureusement d'ailleurs. En 2 secondes, il a enlevé. Tout le monde a galéré sur ça. En 2 secondes, il a réussi à enlever tranquillement. Ok. Qui descend 3 par 3. Non. Mais... J'ai l'impression qu'il est habitué à... On dirait. Hein. Ouais. On dirait parce qu'il est super rapide dessus. Maintenant, il se dirige vers le labyrinthe en bambou. Tu penses que sa taille lui permet de passer facilement? Oui, apparemment, il est rapide, le gars. Il en veut, quoi. Il veut gagner. Regarde comment il se faufile tranquillement. Voilà, hop. Et on attend l'épreuve que je déteste le plus, vous le savez tous. Le filet de corde. Oh là là, le filet de corde. Lui, ça n'a pas l'air de le déranger plus que ça. Hein. Il a l'air très à l'aise, tranquille. Hop, il enjambe ça. Voilà, moi là, je suis tombée, je me suis fait mal. Mais... Et enfin, voilà, ligne d'arrivée. Wow. Ouais. Bravo, rejoins-nous. Bravo. Ça y est, il est perdu, il s'est plus donné de la tête. On se tourne comme ça, le torturer un peu. Ça va, tu vas bien? Très bien. C'est Nounouké, c'est ça? C'est Nounouké Sinaba, oui. Alors, le parcours s'est passé comment? Oui, ça s'est très bien passé. Ouais. Ça s'est très bien passé, oui. Et très bien là, passé. Tu as su de gagner? Oui, je suis sûr de gagner. Tu as su de faire un très bon chrono? Oui, bien sûr. Mais parmi les épreuves, laquelle t'a fatigué le plus? Bon, je peux dire que c'est juste au niveau du bois, sinon les autres là. Le labyrinthe? Là-bas, le labyrinthe. Là où il y a le bois. Là où tu rentres, tu te faufiles. C'est comme ça que tu le faufiles, check. Comme ça, tu te faufiles comme ça. Mais c'est vrai, mais regarde, il est costaud. En fait, au moins, il était mince, il pouvait rentrer facilement. C'est pour ça qu'il a galéré. Les autres là, ça va. Tu penses que tu as éclaté le chrono? Tu penses que c'est toi qui as le meilleur temps? Moi, je crois. Tu penses? Ouais. J'aime bien les gens sûrs comme ça. Ouais. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Et on espère que ça sera toi qui va gagner Mali. Et du courage. Okay, merci beaucoup. Mali, tu sens-tu? Elle, c'est Alimatou Sagara. Elle vient de Yirimajor. Et c'est notre prochaine candidate? Oui, c'est la prochaine candidate. Mali, tu sens-tu? On y va, c'est parti. Ouh là là, elle a failli tomber là. Elle fait trop attention là. Allez, cours plus vite. Elle les monte 2 par 2, on n'a pas de temps à perdre. Elle va s'équiper. Voilà. La tyrolienne. J'adore comment le monsieur leur dit ici. Ah bon? J'aime trop comment il leur dit ça. Une belle vue, hein. Vous voyez comment c'est beau? Ouais. Tout le monde dit ils ont peur, tout ça. Moi, je trouve ça super beau, j'aime trop. Moi, j'ai hâte de voir comment elle va se réceptionner. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup qui allaient grave à leur arrivée. Ah, surtout, elle a vite mis son bras en dessous. Surtout le fait d'enlever les ceintures. Ah. Ben voilà. Tu parlais d'enlever la ceinture, ben voilà. Enlever la peinture. Calme-toi, Alimatou, calme-toi. Justement. Faut pas stresser, faut le faire doucement, calme-toi. Elle est trop pressée. Ouais. Dans la précipitation, on fait rien de bon, franchement. Bon, ben je. Déjà, elle a perdu plus de. Je vais me chercher. 30 secondes. Je vais me chercher un café. Ah bon? Je reviens. Je reviens tout à l'heure, d'accord? Alors là, elle galère grave. Non, Alimatou, doucement. Enlève ta main déjà de la Ce corde. Ce n'est pas la guerre. Allez, c'est pas la force. Doucement. Waouh! Déjà 1 minute de perdu. Yeah. Ah, j'aimerais pas être à sa place. Ah, ça me fait mal au cœur. Oh, Alimatou, non, allez. Calme-toi, prends ton temps, doucement. Là, de toute façon, t'as perdu beaucoup de temps, donc calme-toi, doucement. La tyrolienne, c'est pas la précipitation. Il y a la technique. Il faut enlever ça tout doucement. Moi, je pense qu'elle veut gagner coûte que coûte. Et du coup, elle veut l'enlever. Que si elle avait une force, elle allait tout casser. Tu peux pas casser. Mais malheureusement, pour elle, alors. La protection est trop forte, tu peux pas casser. Aïe. Oh là là. Là, j'aurais vraiment pu aller me chercher mon café et revenir. Oh.
Ça va, Cheikh, tu vas bien? Oui, je vais bien. T'as passé une bonne journée? Mais écoute, en attendant, t'as passé une bonne journée, ça va? Oui, alhamdoulaye, alhamdoulaye. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon. Enfin. Enfin. Elle a réussi. Ah, Alimatou, vraiment. Allez, rattrape vite les secondes perdues. Alimatou, non, 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 descends pas comme ça, non? Là, 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 là. Elle a perdu trop de temps, on dirait qu'elle a peur. Allez, on les descend pas comme ça. Allez, vas-y. Allez, voilà. cours, tu peux rattraper encore, cours. Elle peut se rattraper au niveau du labyrinthe, je crois. Oui, parce qu'elle est, elle est toute petite. Toute petite, là, voilà. Ça, donc elle peut rapidement, elle peut facilement passer. Ouais. J'espère qu'elle va se coincer nulle part. Ouais. Voilà, regarde, tranquille. On dirait qu'elle marche même. J'espère qu'elle n'est pas découragée à la lue qu'elle s'en va, là. Non, 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 elle n'est pas découragée. J'en suis sûre, elle n'est pas découragée. Il ne faut même pas qu'elle se décourage. Non, t'as vu comment elle court? Allez, 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 ma chérie, ne tombe pas. Le filet de corde. Si elle pouvait faire ça en un coup, tac, tac, pop! Je te jure, sauter de l'autre côté directement. Allez, Alimatou, tu peux le faire. Allez, attention. Moi, c'est ici que je me suis fait mal. Voilà. tu vois, elle a fait comme moi. Non. Elle a fait comme moi. Elle s'est bien rattrapée. Allez, dernière ligne droite, Alimatou. Dernière ligne droite, cours. Allez, Alimatou. Oh. Bravo. Viens nous voir. Viens nous voir. Tape ici. Tape. Ah. Ça va, Alimatou? Oui, ça va. Prends mon beau. Ça va? Ça va. Oui, ça va. Tu es fatigué? Mets-toi au milieu, mets-toi au milieu. Un peu fatigué. Viens, mets-toi là. Ah, elle a une grande taille. J'aime pas ça. Hein. Oh non, c'est pas grave. Ça va, tu vas bien, ma chérie? Oui, ça va. Alors, comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Comment t'as senti les épreuves? Oui, oui, très bien. Mais au niveau des tunnels, là, ça m'a fait fatiguer. Tu as eu peur, c'est ça? Oui. En faisant détacher même les tunnels, ça. C'est un peu le problème. C'est toi qu'on entendait crier là-bas. Là. mais après les 4 épreuves, tu penses que tu peux remporter le premier prix? Inch'Allah, si le bon Dieu accepte. Ah. Oui, Inch'Allah. Écoute, elle a confirmé. Est-ce que tu as confiance en toi maintenant? Oui, en toi, en ta performance? Oui, oui. Tu penses que toi, Alimatou, tu peux y arriver? Oui, oui. Moi aussi, je pense qu'elle peut y arriver. Oui. T'as un problème maintenant? J'ai pas de problème. C'est mieux. Girl power, c'est mieux. Donc, pour toi. Courage. Merci. Et bonne chance. Tu vas tout casser, ma chérie. Ouais. Je l'adore. Mali Bissansi. Allah, je me nomme Mariam Oumar Diteye. Je suis à Garantou. Je suis un élève à l'INGES. Je suis un athlète. Nana ya Mali Bissansi qui m'a pour que Aouka Boukane soutienne. Garantou B. Aouka Boukane soutienne. Pour que Aouka soit champion. Mali Bissansi. Mariam Guité. Mariam, sur le pont, elle se prépare, elle médite là, elle se concentre. Le pont flottant. Allez, on y va. Et c'est parti. Et on y va avec Mariam, on la suit. J'espère qu'elle va pas autant galérer qu'Alimatou sur la tyrolienne. Ouais, on espère bien. En tout cas, déjà, elle a des grandes jambes. T'as vu comment elle court? Ouais. C'est beaucoup plus rapide. Voilà, hop. On lui met... Oh, regarde, on a des supporters. On lui met sa protection. On y va. Soulève un peu les jambes, tu vas te faire mal. Non, parfois, quand on a peur, on se... Elle a tout attrapé en même temps. Ouais. Voilà, le moment que j'attends. Je veux voir comment elle va atterrir. Non, voilà. Oh, non, 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 non. Attrape. Attrape! Lâche pas, attrape! Voilà! Enfin! Ok, c'est bon, voilà. Maintenant, calme. Doucement. Enlève la ceinture de sécurité doucement, ne te presse pas. Pourquoi ils aiment mettre leurs mains sur la corde? Bon, c'est plus de garantie, quoi. Parce que. Tu as peur de t'envoler. Voilà, calme-toi, doucement. Il ne faut pas galérer comme Mademoiselle Sagara aussi. Ah, merde. Ah. Bon, t'as pas trop mal au corps par rapport aux épreuves qu'on a fait? Bon, pour une première fois, tu as mal au corps, mais après, quand ton corps s'habitue, bon, je pense que ça passe. Ouais, toi, t'es un grand sportif, toi. Pas tout à fait.
Mais, ah, madame, Maria. C'est comment? On a eu le temps de papoter, tu es encore là. Oh là là. Allez. Elle en a enlevé qu'un pour l'instant. Oh là là. Oh. Les filles, franchement, j'avais foi. Hein. Ah, voilà, OK. C'est bon. En fait. Les descends pas un à un, s'il te plaît. Elle a peur. Pas deux, deux, voilà. Trois. Voilà. T'as des longues jambes, tu peux vraiment te permettre. Voilà. Allez, deux, deux. Allez. Plus vite, plus vite. Saute, saute. Là, tu peux sauter, il n'y a plus rien. Voilà. Bon, elle est grande, mais elle est fine. Donc, normalement, ouais, le labyrinthe ne devrait pas poser trop de problèmes. On espère bien. On croit... Oh là là. Non, elle n'est pas tombée. Elle ne s'est pas fait mal. Non, on va plus vers l'autre côté, va plus vers l'autre côté. Ah, Mariam, c'est pas par là, c'est pas par là. De l'autre côté, elle, qu'est-ce elle qu'elle est partie faire là-bas? Elle a pris un trop long chemin. Non, Mariam, c'est pas là ton chemin. Ah, mais elle a duré ici. Mariam. Ah, elle a perdu trop de temps, Mariam. Elle a perdu trop de temps. Allez, on court. J'aime bien, elle garde la motivation, elle a pas l'air fatiguée, tu vois. Elle est sirène, en fait. Elle en veut. Ouais. Aïe! Ah, t'as vu? C'est pas que moi. Oui. C'est pas que moi, je me sens rassurée, là. Voilà. Merci, les gars. Non, je me sens moins seule. Allez, accélère! Et puis, elle garde le sourire. Allez, Mariam, ouais! Bravo. C'est toi qui criais. Oui, c'est toi. Viens. Viens là. Mais t'as crié pourquoi? Elle est morte. Aïe. Tu as eu peur? Oui. Donc c'était ta première fois de monter sur la tyrolienne? Oui. Est-ce que tu vas recommencer? Oui. Ah, parce que t'as pas le choix, si tu gagnes, tu es obligé de recommencer. Mm-hmm. Donc ça te dérange pas de recommencer? Non, non. Voilà, elle est courageuse, c'est comme ça les femmes. Donc on comprend par là que c'est au niveau de la tyrolienne que tu as eu peur. Mm-hmm. Tu as dit ouais. On a entendu aussi, on a entendu. Donc Mariam, ça s'est passé comment dans l'ensemble? Ça a été bien passé, wallahi. C'est pas difficile quand même, c'est facile. Ouais. Donc tu penses que Mali puissance est dans la poche? Tu penses que tu peux gagner tranquille? Oui, Inch'Allah. Écoute, tu as le prénom de ma grande sœur. Elle s'appelle Mariam comme toi. Donc si tu me fais honte, Mariam, je vais t'en vouloir. Hein. Non, non. Tu as le nom de famille d'un ami. Si tu ne gagnes pas, ça me fait très mal. Hein. Là, en fait, tu as toute la nation sur toi. Là, tu as tout, nous tous, on est sur toi. Bon, donc tu penses que... T'appelais. C'est bon? Voilà, voilà. Du courage et bonne chance. Bonne chance. Ok. Mali puissance. Je suis Ibrahima Sissoko, je suis Golden. Donc, je suis le club de Bidourou. Donc, je suis Mali Puissance. Mali Puissance est fait de Farogolo, je suis Jérôme. Donc, je suis Canon de Donala. Donc, je suis créé son âme. Je suis Bola. Je suis un peu. Donc, je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Je suis un peu de temps. Inch'Allah, je suis un peu. Donc, on est au Kundu. Mali Puissance. Ok, donc c'est Ibrahim. C'est Ibrahima Sissoko, l'homme de Banakabou. On y va, c'est parti. Il fait des lourds pas. Au moins, il est sûr de ne pas tomber. Allez, plus vite, plus vite. On accélère, Ibrahim. On accélère. On les monte 3 par 3 même. Peut-être qu'il économise sa force pour tout à l'heure. Ouais. Là, je le trouve assez tranquille pour l'instant. La ceinture. Il va lui dire ici. Ici. Ah, il est à l'aise. Ouais, il a l'air tranquille. Il a l'air serein, Ibrahim. Ok, ouh, une main. Ok, avec une main carrément. Ça rassure quand même. Ah, attends, on va voir arriver ici. Il va être comment? Moi, c'est ça que je veux voir. Très okay. Bien. Parfaite réception. Doucement. Voilà, il a réussi à faire un en 3 secondes. Ah, voilà. Ibrahim, vraiment, ok, rien Ibrahim, à dire. Ibrahim, c'est un homme. De par deux, Ibrahim, toi voilà. Aussi, non, mais non. Voilà, mais c'est ça. Non, il peut pas faire tout ça et puis... Non, il mais c'est voilà. Ça. Voilà, comme ça, voilà, comme ça. Voilà. Non, merci. Du temps, voilà. Maintenant, on se dépêche, le labyrinthe, oh le labyrinthe. Ok, des petites techniques pour se rattraper tellement il va vite.
On a le droit de se servir pour s'aider? Tu penses? Oui, hein. C'est pas grave. On peut lui pardonner ça? Bon, je crois que... Oui et non. Ok, merci, c'est Guido. Wow, oh, ninja wow. Ok, le ninja. Non, ce gars, il est costaud. Non, ninja même. Faut faire le ninja aussi sur le mur de corde alors. J'adore ces gens d'athlètes. Moi aussi. J'adore, ça motive. Qui n'ont pas peur de se jeter. Ouais. Et il a monté ça comme des escaliers. Et... Faut... Voilà, faut... à moins de 4 secondes. Non, non, faut que j'aille parler à Ali Matou et Mariam. Là. Non, non, faut qu'on aille faire une grève là. Ouais, vas-y. Bravo. Ah, lui, il est costaud. Ça va? Viens par là. Merci. Attends, doucement, laisse-le reprendre ses esprits. Laisse-le 2 minutes. Voilà, laisse-le, j'ai l'impression qu'il est tombé. Souffle beaucoup. Non, regarde. c'est pas marrant, j'aimerais bien t'y voir, toi, hein. Tu rigoles, mais hein, c'est dur. Hein. Tu es tombé? Oui. Où ça? Non. T'es tombé où? J'ai envie de faire le situ au niveau des bois, là-bas. Le labyrinthe. Voilà. Ok. C'est au niveau de là-bas que t'es tombé? Voilà. Ah, Yako. Tu t'es pas fait mal, au moins? Non, pas du tout. Non. Mais tu penses que t'as fait un bon temps malgré ça, quand même? Bon, je suis pas le temps, hein. Ça t'a pas ralenti, tu penses? Bon, selon moi, quand même, Quelques secondes? Oui. Bon... Et puis, il faut m'en séguer, non? Parce que hop là, champion. Il a essayé comme si tu étais en fait, au-delà. On chute, toi. Voilà. Ah, ok. Ma femme, on irait à Dawara, ma progéna, atelier. Voilà. Maintenant, il est boulot sans. Il est bien battu. Bon, il est boulot. Il est dans là. Confiance, bien, tu vas gagner ma lipuissance. Franchement, vu comment tu es essoufflé et comment tu as cavalé là, je pense aussi que tu as tes chances. En tout cas, bonne chance. Et du courage, ok? Merci. Reprends bien tes esprits. C'est bon. Bonjour et bienvenue à Mali Puissanci. Dans cette émission, les concurrents s'affrontent à tour de rôle dans le magnifique décor du campement sur un parcours sportif mêlant agilité, courage, force et rapidité à travers 4 épreuves. Le pont flottant. La tyrolienne. Le labyrinthe en bois. Et le mur de corde. À l'issue de chaque émission, les plus rapides seront sélectionnés pour la grande finale. Lors de cette grande finale, le parcours évoluera en difficulté avec de nouvelles épreuves qui verront les moins rapides éliminés. À la fin du jeu, il n'en restera qu'un. Et oui, le grand vainqueur qui remportera la première place gagnera la somme de 500 000 francs CFA ainsi qu'un an d'abonnement dans la salle de sport du Budo Club. La deuxième place remportera 6 mois d'abonnement dans la salle de sport du Budo Club. Et la troisième place se verra remettre un abonnement de 3 mois dans la salle de sport du Budo Club, que le ou la meilleure gagne. Candidat numéro 13, Fousseni Berthé. Il est en pleine concentration, pleine préparation là. Imperturbable. Ouais. Il a l'air tranquille, hein. Il attend. Il s'est dit, il faut que j'avale le chrono. Mali Bissansi. Il se prépare pour le pont flottant. Fousseni Berthé. Et c'est parti pour le pont flottant. Attention, tombe pas. Moi, en fait, la seule partie que j'ai hâte de voir, l'atterrissage de la tyrolienne.
C'est tout. Tout le reste, ça va, les candidats hygiens. L'atterrissage de la tyrolienne, ah non, j'adore. Non, mais il galère grave parce que pour enlever la ceinture, il y a d'autres qui sont pressés. Il y a des techniques, je vous ai dit en plus. Il y a des techniques. Vous devez faire un petit saut. Tu prends tout juste. Tu te calmes. Tant tu te calmes, voilà. C'est tout. Tu fais un petit saut pour l'enlever. C'est pas compliqué. Il a l'air trop tranquille, Fousseini. Vraiment. Comme Ibrahim, ils sont relax, ils sont peace, tranquille. Voilà ma partie à moi. Voilà. Il a failli repartir. Hein. Attends, attends, moi je veux voir. Ok, enlève le premier. Voilà, oui, laisse ça déjà. Ok, il a enlevé le premier tranquille, d'accord. En général, quand tu arrives à enlever le premier, le deuxième, il est facile. Ouais. Voilà, t'as vu, le deuxième il est facile, donc c'est bon. Vite, 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 2 par 2, 3 par 3, tu peux, allez, allez, allez. Fousseini, vas-y. Voilà, comme des escaliers, bim, 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 vite. Vas-y, vas-y, mais il est un peu lent. Voilà. C'est ça, un garçon. Puis, non, c'est bon, il fait des grands pas. Il fait des grands pas, il fait des grands pas. Allez, 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 maintenant c'est le labyrinthe. Le labyrinthe. Toi, je sais que tu peux pas passer dans le labyrinthe facilement. Si, j'ai fait 3 secondes ici. Hop là. Ouais. Pourquoi je te crois pas? Oh, je sais pas. Non, mais je te crois pas. Je pense que tu es trop musclé. Non, prochain. Après l'émission, on va essayer. Qui on? J'ai déjà fait. C'est bon, ça m'a suffi. Je vais laisser Fousseini tout ça le faire. Surtout pour après arriver à ça? Oui. Non. Le filet de corde? Très bien. Je pense qu'il a bien calculé. Hein. Ouais. Il a une bonne technique. Ouais. Attention, le pied accroché. Ok. Parfait. On accélère la dernière ligne droite. Allez, allez, allez. Solo. Waouh, Fousseini. Fousseini, la flèche. Pardon. Wow. Non, je suis là. J'ai cru que j'allais me faire. Ça, viens, là, viens nous voir nous voir un peu, Fousseini. Ils sont pressés de nous quitter à chaque fois, là. Il y a quoi? Mais lui, vous êtes fatigué? Mais lui, il n'a pas l'air fatigué. Quoi? Il a l'air mort, tu me dis quoi? Viens, ça va? Oui, ça va. Tu arrives à parler? Oui. Tu peux nous répondre? Oui. On peut te... Mais tu réponds déjà. On peut t'embêter un peu. On peut t'embêter un peu. Comment? On peut pas t'embêter. Ah, mais c'est qui, c'est Gadolien? Regarde, il est en train de me menacer même. Moi, il est fatigué. Moi, je me bats, attention. Hein. Allez, ouais. Ça va? Oui, ça va. Tu vas bien? Bien. Alors, ça s'est passé comment les épreuves, Fousseini? Bon. La partie qui m'a un peu fatigué. Là, on sort en dessous des obstacles. Le labyrinthe. Ah, mais là, ça va ouais. Dépasser tout le monde. Ouais. En fait, c'est soit la tyrolienne, ouais. Soit le labyrinthe. C'est entre les deux. Oui, mais la regarde. Tyrolienne. Non, mais très regarde, facile. Mais il est costaud aussi, donc il ne peut pas se... Lui aussi, hein, comme l'autre, ouais, c'est vrai. Il fallait être mince. Pour pouvoir se faufiler. La tyrolienne, c'était comment? Simple. Ça, en haut, là. Ça va? Pas de problème, oui. Tu n'as pas eu peur, rien? Oui, oui. Parce que tout le monde a peur de ça. Tout le monde est en train de crier partout, tyrolienne, tyrolienne. La tyrolienne, c'est facile. Ouais. On est d'accord, tu t'assois sur moi et puis t'as pas le droit de descendre. Moi, je comprends pas, là, ça m'a fatigué, ouais. Non, mais ça fait peur pour une première fois. Ouais, effectivement. C'était ta première fois de faire la tyrolienne? Effectivement, c'est ma première fois. Ouais, et t'es capable de le refaire ou pas? Si. Ouais, ça te dérangerait pas de le refaire? T'as bien aimé, non? Oui. Voilà. Mais maintenant, à la sortie de tout ça, tu penses que toi, la performance que tu viens de faire tout de suite, tu vas gagner? Bon, je pense. Attends, tu as peur ou quoi? T'as pas confiance en toi? C'est quoi ton petit je pense, là? Donc tu vas gagner Malipuissanci. Effectivement, je vais gagner. Voilà. Dans les pays, il est là. Très cool. Oh okay, félicitations, Fousseini. Malipuissanci. Omar Abdul Kader. Il va jouer les gens tout de suite. Ah, mais il est costaud, lui. Mais là, il prend la pause, tranquille. Ouais, il regarde le paysage, il se détend. Malipuissanci. On va voir quand il va commencer les épreuves, est-ce qu'il va être aussi détendu? Un Malipuissanci. On y va, Omar. La ligne de départ. On attend le top et c'est parti. Oulala, oulala, oulala. Moi, je pense que les gens, ils prennent trop de temps sur le pont flottant. En fait, le pont flottant, faut pas être lourd comme ça, bim, 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 faire bon, des grands pas. On peut le faire des grands pas. 1, 2, paf. Toi aussi, de voler. Oui. Ah, ok. Après l'émission, tu fais ça aussi, je veux voir. Ok, sans souci. Ça marche. On y va. Ici, Guy. Voilà. C'est vrai qu'il est costaud, hein. Il est grand, il est costaud. Lui, le labyrinthe, là, je sais pas comment ça va se passer. Ça risque d'être compliqué pour lui. Aïe, j'espère qu'il s'est pas fait mal. Non.
Il n'a pas l'air en tout cas. La technique, un doigt. Ouais. C'est ça, il est tranquille, il est serein. Ah, voilà. Voilà, vous avez vu ? Tranquille, serein. Des fois, se précipiter là, ça ne sert à rien du tout. Il les descend rapidement. Ah, tu vois, il est grand, costaud, mais il est rapide. Hein. Il se dirige vers le labyrinthe. Bon, c'est là que j'ai un peu peur parce que le gars, il est costaud. C'est ça. C'est ça. S'il ne choisit pas bien là où il va passer... Mais en fait, j'ai l'impression que ça le dérange pas. Non ? Non, regarde. Ouais. Allez, Omar ! Wouhou ! Omar, vas-y ! Non, ça l'a pas dérangé. Il s'est faufilé tranquille, la technique. Là, maintenant, franchement, le filet de corde, ça, c'est à son avantage s'il est grand. Ça, c'est bon pour lui. Ok, Omar, aïe, vise bien. Doucement. Oh là là. Voilà. Allez, un sprint. Waouh. Accélération, vite. Oh, j'ai hâte d'aller le voir. Avec le sourire en plus, Omar. Waouh. Avec le sourire, viens nous voir. Bravo. Omar Abdul Kader Haydara. Bravo. Ça va, viens ici. Viens, mets-toi ici. Mets-toi au milieu. Pardon, viens là. Yeah. Tu veux pas être à côté de moi? Oui, je veux. Ah, merci, une belle femme comme ça. Merci, ça va? Ça va bien. Alors, ça s'est passé comment? Oui, ça s'est bien passé. Ouais. Et t'es arrivé avec le plus grand sourire qui ait pu exister au monde. N'est-ce pas? Grave. Ah oui, mais à un moment donné, j'avais peur. Où ça? Au niveau du pont. Le pont de l'eau là. Le pont flottant. La première. Le pont flottant. Le tout premier. Ah oui. Sérieux? Quand on est loin du pont là. Franchement. Parce que ça balance là, ça balance. T'as peur de l'eau? J'ai failli même tomber. Ah bon? Non, j'ai pas peur. Mais tu as pu récupérer quand même. Oui, j'ai récupéré. Et enfin, tu es là. Oui. Ou bien tu as cru parce que Cheikh tout à l'heure il a dit qu'il y avait des caïmans dans l'eau. Non. C'est pour ça que tu as eu peur. Non, parce que pas l'écouter. Hein. Il raconte sa vie. C'est pas ça. Mais après, ça s'est bien passé. Ça, la tyrolienne, le labyrinthe. Oui. La tyrolienne, t'as pas eu peur? Non. Non. Enfin, un qui a pas eu peur, bravo. Ah. Et tu bien penses que, toi, tu penses que tu vas gagner? Oui. Je suis certain. Oui. J'ai confiance. Faut pas dire ton chrono. T'as noté, normalement, c'est de la tête. T'as même pas le droit, sinon tu gâtes la surprise. Mais bon, tu connais pas le chrono des autres de toute façon. Ouais. Ok, c'est bon. On te dit rien alors. C'est bon. Bon courage, bonne chance. Mali, tu sens si. Alouane, Balma Slaman, Netoko Ousmane Banu, Nebe Intis National des Soirs et des Inès. Bon, nous avons participé à Mali Puissance la saison 2019-2020. Nous avons quartier de Misabou. Bon, nous avons âgé 21 ans, taille 1m74. On va être malien BF. Nous avons participé à Mali Puissance la parce que ce sport cadiné, ce sport que nous. Ndale meyere lambe ke pis Mali Puissance saison 2019-2020. Mali Puissance. Ousmane Banu. Oh, il a un grand et beau sourire. Ouais, relax. C'est pas encore ce qui t'attend. Ousmane Banu. Il vient de Misabou. C'est un jeune sportif. J'ai remarqué que les garçons sont plus Attention à ce que tu vas dire. Les jeunes filles. Non, mais c'est vrai, mais l'image... l'image nous montre. Regarde. Tu veux qu'on se batte? Non, ça ne va pas. Je te montre à quel point nous aussi on est vivants. Est-ce que j'ai peur parce que tu es costaud? Aïe, c'est bon. Attention. J'ai peur. Ok, je préfère. Attention à toi. Oh là là, j'adore cette partie. Wow. C'est quoi, c'est beau. Ah! Faut pas alors, tout. Tu disais quoi? Non. Tu disais quoi? Non. Ok, je préfère. Il a attrapé la corde, après il a. Ouais, mais laissé. C'était de justesse. Hein. Il a failli laisser, il a failli repartir lui aussi. Hein. On va voir à quel point il est vivant. J'ai la chance. Il a maintenant, fait sa vie. Regarde comment il va descendre. Ce n'est pas la même chose quand les filles descendent. C'est la même chose. Non, il a sauté. Non, mais elle calcule trop. Elles vont doucement. Mais regarde les garçons. Ok. Attends la fin de l'émission. Je ne peux pas te frapper à les caméras. Attends. J'arrive.
Tu vas voir si on fait attention ou pas. Ok, maintenant le labyrinthe. Lui, ça devrait être facile pour lui. Ouais, il va s'en sortir. Ouais, je suis franchement, sûr. Il est pas si costaud que ça. Donc Ousmane, voilà. Accélère. Apparemment, je trouve que chacun a bien visé son chemin là où il doit passer. Oui. Bah, il y a les drapeaux. Regarde, qui voilà, vous aident. Voilà. Les drapeaux qui sont là pour ça, qui tracent le circuit. Mais cours toi aussi. C'est pas des escaliers, plus vite, plus vite. Voilà. Allez, cours, 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 cours. Waouh. Ousmane. T'as vu, t'as un comité d'accueil pour toi. Non, mais là, il n'a pas l'air fatigué. Non. Mais regarde. Ça va ? Oui, ça va. Viens. Voilà, viens de ce côté. Fais face à la caméra. Voilà. Ça va ? Oui, ça va. Tombe pas, je te retiens. Alors, ça s'est passé comment ? T'as senti comment les épreuves ? Bon. Les épreuves là. Attends, bon, vas-y, reste. Franchement, on n'est pas gentils, hein. On les attend à la fin comme mais ça. Tu voulais qu'on le fasse en Bambara, c'est ça ? Non. Deux en même temps. Allez, deux en même temps. Maintenant, et entre vous, il est bien, mon Fabien, là, mais Johnny Gelayana, il s'est gagné à Rojo. Bon, c'est un tirelet, ça me fait le crochet. Oh, les gars, bouton là. Ah, le crochet était difficile à enlever. Oui. Mais t'as pas eu peur sinon dans l'ensemble, genre le fait de descendre comme ça et tout, c'était tranquille pour toi ? Oui, tranquille de descendre. La descente, c'est ça ? T'étais fatigué ? Il est mort, le pauvre. Ah, Yako. Ousmane, c'est comment ? T'es fatigué comme ça alors que ça n'a même pas encore. Là, tu as rien vu encore. Mali puissance, c'est même pas ça. Il y a rien. Là, tu as rien. Il y a la finale et la demi-finale. Ok. Est-ce que tu es prêt ? Oui. À faire tout ça ? Oui. Ok, d'accord. On attend de voir alors. Est-ce que tu penses que Iyo Bouli Migrese, ça a un boulot ? Est-ce qu'il a été premier ? Oui. Il est allé d'où là ? Oui. Ousmane ? Et bon là, tu comprends, premier. T'es okay, pas bien, cool. Okay. En tout cas, on te souhaite bonne chance. Hein. Beaucoup et de courage. Bonne chance, ok ? Kadiatou Dina Kanouté. Tu sais comment est venu Kanouté ? Kanouté. Échec, t'es insupportable. Waouh! Tiens, elle est concentrée, elle est fâchée même. On va voir. Kadiatou, s'il te plaît, c'est parti. Ils prennent tout du temps sur le pont flottant. Ah, mais toi aussi, on a peur de tomber dans l'eau aussi? Non. Si tu tombes dans l'eau et puis tu recommences mouillé là, c'est compliqué. Ok, vas-y. Il faut l'encourager parce qu'il y a deux filles qui sont déjà passées, qui sont... Chèque, on va vraiment se battre. Alors là, on va réellement se battre. Non, mais c'est vrai, mais regarde. Attends ça. Ok. Kadiatou, s'il te plaît, je t'en supplie. Les deux derniers ont galéré à l'arrivée de la tyrolienne. On n'espère pas quand même pour Kadiatou quand même. Voilà. Retourné. Je te déteste. Mais Kadiatou, qu'est-ce que tu me fais? Mais Kadiatou dit, bon, moi j'aimerais reprendre la tyrolienne. J'ai adoré, donc j'ai kiffé. Il faudrait que je reprenne. Mali Pissansi. En flébara, je vais vous faire un peu de temps. 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 Je vais vous faire ne ga bara benno farklu ñeneje ma farklu ñeneje sira flafe o gol lañi EPS yi na ma fuma EPS o ko betu ni me farklu ñeneje nga na uy teguno ñi teguno dege karam go fune ñu u entraîneur yi donc ñu nana ni émission na ñu Mali puissance donc kayira malion bela Mali puissance femi farklu ñeneje ta sira fanfe donc nga fuli bi ci en flebra bela jelema donc kerengena nga sigira flana mo mañi no ko kusebe ani nga barake ba auto nu yi nya photo ma tay ko ko ni farlu ni yakala bela jeli do ma ni befe be ga ni emission la je be ga kanu ka se ga amna mali puissance mi yira mo wala be ga e be ga do be ga la kali mali puissance yaya dambeli c'est parti pour yaya voilà yaya j'adore ça
J'adore Yaya Dembélé. Tu peux prononcer Dembélé ? Laisse-moi tranquille, toi. C'est Dembélé pour toi. En plus, j'allais te demander, arrête de dire, on dit Dembélé ou Dembélé ? C'est Dembélé. Ah bon, moi, je dis Dembélé. Ah là ! C'est vrai, en plus. Je sais que je t'aime pas, je t'aime plus. Laisse-moi tranquille. Yaya, vas-y. Oh. Moi, j'encourage même pas. Yaya. C'est tout seul. Hop. Faut pas te retourner comme Kadiatou. Voilà. Doucement. Prends ton temps, ne te presse pas. Voilà. Il est cool, carrément. Il est cool, lui. Doucement. Il s'est concentré. Voilà. Tu parles ah, mais tu dures là. Il a parlé trop vite. Ah, c'est bon. Alors. Comment il va et dire vas-y. Tu vois, il descend. Toi. Hey, chèque. Mais regarde. Ou 3-3. On y va. Moi, je veux pas, je l'encourage pas. Pour l'instant. Je suis sûr qu'il va finir le labyrinthe en moins d'une seconde. J'en suis sûr, il va faire 3 minutes. Regarde. Je regarde pas. Oh. Voilà. Ah, oh, qu'est-ce que je t'ai dit en moins d'une seconde. Yaya, vas-y. Ah, c'est pas mon genre. Aïe, oh, aïe, j'adore. C'est pas il fini encore. Hein. Non, et tout peut changer au filet de corde. Non, moi, je garde non, espoir jusqu'à la s'il fin. S'il te plaît, non. Si. Non, voilà, non, regarde déjà comment il a ramassé tout le sable. Non, ici, on n'a pas besoin de trop parler. Regarde. Et s'il tombe. Tombe où? Aïe, l'homme fort. Yaya, l'homme fort. Yayous. Aïe, mon petit. Viens. Tu es rapide, hein? Oui. Viens, ça va? Je te dis, ça va. Oui, alhamdoulilah. Alors, ça s'est passé comment? Oui, ça s'est très bien passé. Ouais, t'arrives à parler là. Oui, tout à fait. Ouais, c'est bon. Parce qu'au début, j'avais peur. Mais quand même. Donc, j'avais peur de Firulène même. Ah, ok. Oui. Comme quand je suis monté, déjà sur le pont flottant, dès que je monte, c'est le moment où la peur est finie. Ok? L'adrénaline. Oui, merci. Donc, je félicite tout le monde. Bravo, franchement. Et je vous encourage beaucoup. Non, c'est nous qui vous encourageons. Bonjour, ouais. Comme c'est une première fois, c'est moi qui vous encourage de faire une deuxième, troisième encore. Mais ben, si t'es gagnant, on n'aura pas le choix, en fait. On va refaire encore plein de fois, donc il faut que tu sois gagnant. Il n'y a pas de problème. On compte sur toi. Inch'Allah. Et là, tu es sûr que tu iras en finale. Tout à fait. Tu as su de ton chrono? Oui. J'aime ça. Ok, on verra. Allô. J'aime ça, c'est lui qui va tout remporter. Bravo, Yaya. Bonne chance, Yaya. Bravo. Merci. Courage. Ouais. Félicitations. Ok. La flèche. C'est fini, t'es fatigué. Déjà. Pourquoi tu es fatigué comme ça? Mais continue, non? Ou bien? L'émission est terminée. Déjà? Oh là là, c'est déjà fini. Bon, ben, comme Chakinto l'a dit, l'épisode 2 de Malipuissance est déjà terminé, malheureusement, mais on se retrouve très très rapidement. En tout cas, j'espère que vous êtes autant amusés que nous à l'avoir suivi, que nous à l'avoir fait, hein, Chak. Je vais commencer à m'amuser. Tu vas où? J'arrive. Bon, bah les gars, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Malipuissance. Bisous à tous, bye bye.